Avec ce soir, Annie Lemoine, Gérard Miller, Arnaud Gidois, Valérie Mérès, Philippe Gueluc et Perry Cochard. Alors, autant vous le dire tout de suite, j'ai reçu beaucoup de courriers et d'emails de téléspectateurs me disant qu'il fallait qu'on arrête comme ça de commenter les tenues vestimentaires des uns et des autres, que c'était lassant, que ça pourrait froisser la chemise de... Ah bah c'est fait, Dany Lemoine. Non, c'est vrai, c'est pas très intéressant. Ah ouais, n'empêche que le pull au vert de Miller aujourd'hui, est... avec le fil qui vient, ça, il faudrait trouver un truc pour faire sortir le fil. Alors, plus joliment. Tu vois ta mauvaise foi, car depuis... Quelquefois, j'ai une habilleuse personnelle que la production m'a permis d'engager. Non, mais c'est scandaleux. On savait que tu avais engagé des déshabilleuses professionnelles auparavant, mais c'est le contraire maintenant. Non, mais... Ils ont envie qu'on parle de quoi, alors, les gens? Parce qu'on peut parler de ce qu'ils veulent, hein. Bah, qu'est-ce qu'ils veulent, les téléspectateurs? Ils veulent qu'on passe tout de suite à la photo du jour, par exemple. Alors, on y va. Et la photo du jour, c'est celle de Jean-Marie Le Pen, le nouveau SDF de la politique, puisqu'il ne pourra pas se présenter, vous le savez, en Provence, Alpes, Côte d'Azur, en tout cas, peut-être pas. Il n'a pas de domicile fiscal à son nom dans cette région, c'est la raison. Le Pen sans domicile fisc, il n'a plus qu'à aller mendier sur la côte en réclamant une petite pièce, ou un deux pièces, ce serait mieux quand même. On le voit bien assis sur un trottoir à côté de son berger allemand avec juste un panneau. À votre bunker, messieurs, dames. C'est peut-être le seul et l'unique SDF pour lequel on n'aura pas de pincement de cœur. Enfin, il faut faire attention, parce que s'il devient immigré dans son propre pays, il va finir par se cogner lui-même. Hein, et se mettre dehors. Ne doutons pas que Jean-Marie Le Pen va bien finir par trouver un pied-à-terre dans la région. Ce serait étonnant que Brigitte Bardot ait pas un studio à louer à Saint-Tropez, par exemple. Le leader du Front National va donc devoir respecter le règlement pour être éligible dans une région en France. Et oui, il faut payer ses impôts dans cette région. C'est une bonne règle, ça va permettre d'échapper à toute candidature de Florent Pagny dans quelque région que ce soit. Un commentaire, Annie? Monsieur Le Pen fait de l'occupation médiatique, je ne veux pas en être complice, je me tais. Bah, je suis pas sûr. Moi, pensez vraiment qu'il a réfléchi à tout ça, que c'est un complot encore de sa part, le fait qu'il n'ait pas d'adresse ou que simplement, effectivement, il n'a pas fait attention. C'est pas un imbécile. Oui. Non. Donc. D'après ce que j'ai lu, il peut facilement pallier à cette difficulté. Il lui suffit. Pallier cette difficulté. D'après ce que j'ai lu, il peut facilement pallier cette difficulté. Pardon, et non pas pallier prendre, à mon cher cette difficulté, comme tu le dis souvent. Allez, une autre photo, celle de Jacques Chirac, qui hier à Berlin rencontrait Gerhard Schröder et Tony Blair pour définir un axe germano-franco-anglais. Cette photo prouve, regardez-la bien, que notre président est vraiment dur d'oreille. Parce que comme tout malentendant, il croit que les autres le sont aussi. Hein. Le président a en tout cas annoncé hier qu'il avait obtenu de l'Allemagne l'autorisation pour la France d'abaisser le taux de la TVA à 5,5% dans la restauration, attention, pour 2006. Hein. C'est un bel effet d'annonce, juste avant les régionales. Mais il faut savoir que pour que la mesure soit acceptée, il faudra que tous les autres pays européens soient d'accord. C'est pas gagné. C'était une promesse du président Chirac pour 2002. Ça va permettre de tenir au moins jusqu'en 2006. Et le président suivant, bah, il se démerdera. Hein. Alors, cette TVA à 5,5 bah, c'était pas une mauvaise mesure. Ça permettait notamment de s'aligner sur les fast-food. Donc, c'est vrai que c'est dommage qu'ils ne le fassent pas. Enfin, quand même, je suis pas sûr que ce soit si bien de penser comme ça, forcément, à tous ces pauvres gens à qui ça coûte vraiment trop cher d'aller manger au restaurant tous les jours. Le 3 étoiles Michelin au prix du 2 étoiles Michelin, c'est sûr que c'est la mesure que toute la France d'en bas attendait, Gérard. Depuis quelques jours, Laurent, vous vous faites le défenseur de la France du bas. C'est assez impressionnant. Non, mais c'est parce que... Je suis désolé. Ce gouvernement a dit qu'il allait d'abord penser à la France d'en bas. Je ne crois pas que ce soit la France d'en bas qui aille le plus souvent au restaurant, c'est tout. Je suis pour que les plaisirs et la table et un des plaisirs puissent être partagés par de vos plaisirs. Soit partagé par le plus grand nombre. Allez, on se calme, je vous invite tous au restaurant. Je suis pour que tout le monde puisse aller au restaurant, Laurent. Je voudrais revenir sur ce que Gérard a dit, il voudrait que tout le monde puisse aller au restaurant. Donc tous les téléspectateurs qui nous regardent maintenant sont invités par Gérard à dîner ce soir. En 2006. En 2006. C'est gentil.
Non, moi, écoutez, la TVA à 5,5 pour les restaurants, franchement, je trouve ça dingue parce qu'on est en train de nous dire qu'il faut marcher pour perdre du poids. Alors, la TVA à 5,5 dans les restaurants, c'est pas ça qui va faire maigrir Raffarin, croyez-moi. Une autre photo, celle de Maurice Papon. Vous vous souvenez, ce condamné pour complicité de crimes contre l'humanité, libéré par la justice en 2002 parce qu'on ne pouvait pas laisser en prison quelqu'un en mauvaise santé. À 93 ans, deux ans plus tard, Papon continue à narguer tout le monde en répondant à une interview sur 6 pages dans l'hebdomadaire Le Point. Il ne l'a pas fait dans Santé Magazine, mais c'était limite. Il est tellement mourant, Papon, que même la canicule 2003 n'a eu aucun effet sur lui. Non mais... vous allez voir que si on pousse un peu, ben bientôt, dans 2 mois, il va présenter un spectacle à l'Olympia et lui, il aura le droit. Dieu soit loué, on n'en est pas là. Je dis Dieu soit loué parce qu'on a le droit de dire Dieu soit loué. C'est Dieu donné qui est interdit. Oh, yeah. Gérard. À propos de la santé de Papon prisonnier, vous avez vu l'histoire de ce jeune homme qui était en prison, qui n'a pas du tout été soigné, qui est devenu invalide. Tous les journaux en parlent, donc on aimerait bien qu'on s'occupe de la santé de tous les prisonniers et pas seulement de ceux qui, comme Papon, ont des relations. Un mot, Annie. Par respect pour les victimes de Papon, moi, j'aurais pas ouvert mes colonnes à Papon si j'avais été directrice d'un journal, parce qu'il exprime ni remords ni regrets. Il faut pas se faire... Continue sur la même ligne. Il oui. Faut pas se faire la chambre d'écho de propos comme cela. Il faut le laisser dans son coin. Autre photo, celle de Marco Pantani, dont maintenant toute la presse nous dit qu'il était cocaïné à mort. On aurait effectivement retrouvé des petits sachets de parmesan dans la chambre où il séjournait. De la coke, oui, mais de Pantani. Il l'a fait. Eh oui. Richard Virenque va en tout cas sûrement arrêter de dire que si Pantani est mort, c'était la faute aux médias, parce que manifestement, quand les coureurs sont shootés, c'est pas toujours par des photographes. Et puis sur la photo, on voit bien, avec sa coiffure à la forme de son crâne, ça fait un peu œuf à la coke. Excusez-moi. T'as bien fait d'essayer, celle-là. Ça part bien. Pantani, en tout cas, maintenant, emblème de la drogue et du cyclisme. Pour lui rendre hommage, c'est à Amsterdam qu'on aurait dû l'inhumer. Oh. On termine par la victoire de l'équipe de France de football. Ah. 2-0 contre la Belgique. Et bah, franchement, avant qu'Anelka revienne chez les Bleus, va falloir une vraie épidémie de grippe aviaire chez les attaquants du championnat. Aux États-Unis, la bataille qui oppose John Kerry, le démocrate, à George Bush, le républicain, pour les prochaines élections présidentielles, fait rage. Il y a quelques jours, le camp démocrate a accusé George Bush de s'être littéralement planqué en Alabama pour ne pas faire la guerre du Vietnam, tandis que le candidat Kerry, lui, s'illustrait, à la même époque, par sa bravoure pendant ce conflit. George Bush, un lâche, on ne peut quand même pas dire ça, il a quand même osé aller faire la guerre tout seul contre l'Irak. Pour parler du passé militaire de ces deux hommes, on va accueillir une politologue spécialiste de la société américaine et des relations franco-américaines. Voici madame Nicole Bacharan. Bonjour, bienvenue. Bah oui, quand même. Ah, vous avez mis le t-shirt aux couleurs américaines. On m'a dit qu'on parlait fringues, voilà. C'est la pure provoque. Alors, c'est quand même, là, on a l'impression, une campagne présidentielle aux États-Unis qui va... cartonné. J'ai l'impression que celle-là, elle va être hard, elle va être dure, parce que d'abord, Bush veut rester président, qu'évidemment, les démocrates se sont fait griller sur le poteau. On se souvient que ça a été un calcul, un recalcul des bulletins. La dernière fois, ça a duré des mois, cette affaire-là. Avant ah oui, ça a duré 3 mois. 3 mois avant qu'on soit sûr que Bush soit vraiment élu. Là, alors d'abord, c'est quand, cette élection? C'est le 2 novembre, mardi 2 novembre 2004. Parce que pour l'instant, il s'agit évidemment, on va dire, du premier tour. Ce sont les militants qui votent pour chacun de leurs candidats dans chaque État. Ah non, ce n'est pas les militants, c'est les électeurs. Ah, les électeurs. Même les électeurs qui se disent démocrates ou même indépendants selon les cas et qui peuvent dire, ben nous, on préfère... Mais comment ça se dit? On préfère Kerry, en fait. Mais comment ça se dit? Ça veut dire non, quoi, par exemple? Qui peuvent dire. Moi, je suis, je sais pas, admettons, je suis républicain. Est-ce que je peux aller voter pour le candidat démocrate qui, je pense, va avoir le moins de chances pour que ce soit lui le candidat? Si vous êtes dans le Wisconsin, vous pouvez.
Mais il n'y a pas beaucoup d'autres situations. Ah bon, pourquoi dans cet état-là? Mais parce que dans le Wisconsin, c'est une primaire qu'on appelle totalement ouverte, c'est-à-dire que tout électeur inscrit peut y aller. Mais c'est vicieux quand même, hein? Oui, mais c'est assez rare, ils sont quand même assez prudents, les chefs de campagne. Et sinon, en général, ben, vous pouvez déclarer quand vous inscrivez sur la liste électorale que vous êtes plutôt démocrate ou plutôt républicain. Quand on s'inscrit sur les listes électorales aux États-Unis, on est obligé de dire pour quel camp on est. Obligé. On n'est pas obligé. Vous pouvez être indépendant et puis vous pouvez changer d'avis. Mais disons, être démocrate ou républicain, c'est quelque chose en général d'assez viscéral. Les gens, c'est rare qu'ils basculent, sauf s'ils sont carrément indépendants. Vous avez des familles où on va être démocrate ou républicain depuis X générations. La famille Bush, par exemple. Ben, je ne sais pas, mais je ne vois pas où est le dernier démocrate. Mais, par contre, Mme Kerry, elle était mariée à un républicain. Exact. Elle ne voulait pas qu'il se présente. Et maintenant qu'elle est mariée à un démocrate, elle pousse. Donc c'est plutôt bon signe. C'est la reine du ketchup, elle. Hein. La reine du ketchup. L'héritière du ketchup. Qu'est-ce que vous allez sortir? Rien. Madame, je vous en prie. Non mais c'est vrai, là c'est vraiment la riche femme. Elle est très riche, ouais. Avant qu'on en vienne au débat entre Kerry et Bush, moi il y a une chose qui m'épate, c'est quand même on s'est bien tous plantés, toute la presse s'est plantée. Parce que ce Kerry, là, on nous en parle depuis quoi maintenant? Un mois et demi. Mais toute l'année dernière, j'ai vu des unes de journaux sur Howard Dean, le candidat démocrate qui va être opposé à Bush aux élections. Howard Dean, c'est lui le candidat, c'est lui qui va faire tomber Bush. Et cet Howard Dean, on a appris hier qu'il abandonnait parce que dans aucun état, je crois, il n'est arrivé en tête. C'est Kerry qui sera le candidat. Maintenant, on en est sûr, c'est lui qui sera le candidat démocrate. Mais je peux vous rassurer quand même, vous consoler quelque part. Il n'y a pas que nous qui nous sommes trompés. Oui. Toute la Maison Blanche s'est trompée. C'est un peu effrayant ce que la presse dit. Vous parliez de l'année passée, de ce que la presse a balancé. Mais je voyais dans le dossier récent qu'un récent sondage du Newsweek donne Kerry gagnant par 50% contre 45%, et un autre sondage de Time CNN donne Bush victorieux par 50% et l'autre 48%. Et il y a un sondage qu'on ne donne pas qui est plus crédible, je crois, et qui dit que les sondages ne sont fiables qu'à 50%. Les sondages ne sont pas fiables, en fait. Bien, des questions parce qu'elle a l'air de... Vous voulez bien s'y connaître, hein, Madame Bacharan, alors vous pouvez y aller. Moi, je trouve toujours utile d'expliquer aux Français pour qui le terme de démocrate est à peu près équivalent à celui de républicain, qu'aux États-Unis, même s'il n'y a pas vraiment de gauche et de droite, les démocrates sont un peu plus à gauche et les républicains franchement plus à droite. C'est ça quand même la grande différence. Et c'est vrai qu'après une présidence aussi droitière que celle de Bush, on peut espérer que les Américains vont choisir plutôt un démocrate. Chez Bush, moi, ça m'a beaucoup surprise dans son discours sur l'état de l'Union, c'est qu'il a vraiment lancé un programme ultra à droite. Alors que franchement, l'ultra droite, pour qui elle va voter? Parmi les gens qui votent républicains, il y en a peut-être 15 ou 20% qui, sur le plan moral, sur le plan des mœurs, sont ultra-conservateurs, mais les autres, pas du tout. C'est ça, il ne rassemble pas. Avec son discours, il ne va pas chercher des voix ailleurs. Non, alors, c'est étonnant. Est-ce que vous croyez que les gens, le grand public américain, s'intéresse à ces petites histoires? Parce que là, ils attaquent Kerry sur l'infidélité, comme quoi il aurait trompé sa femme, comme quoi... Ah oui, des choses moches. Non, on dit que c'est un homme absolument fidèle. Et pourtant, les républicains ont des documents. Oui. Ils ont des photos de John Kerry en Virginie et en Caroline. Non, mais justement, pour revenir sur ce que disait Perry, vous dites que ça va être sûrement l'un des combats politiques, l'un des plus sales de l'histoire, parce qu'ils vont tout étaler, je crois. Là aussi, je pense que les gens qui organisent ces campagnes, ils sont en retard de 20 ans. C'est-à-dire que il va y avoir les femmes, l'argent, la drogue, l'alcool, le service militaire fait ou pas fait. Quand on va y venir. Et ça fait du spectacle, c'est comme de lire les aventures de Schwarzenegger, etc. Mais ça, l'électorat s'en fout. Alors voilà, c'est la jeune stagiaire dont on a accusé Kerry de l'avoir un peu détournée de son stage, en quelque sorte, mais elle dit que... J'ai déjà entendu l'histoire comme ça. Voilà, ça rappelle l'affaire Clinton, sauf qu'elle, là, alors c'est pas Monica Lewinsky, elle cherche pas du tout, elle répond pas aux questions, et elle dit non, moi... C'est fini, j'ai une vie. C'est moins grave que l'affaire, vous voyez, c'est moins grave puisqu'il lui tend son doigt et pas un cigare. C'est moins grave. Non, mais elle a totalement démenti tout ça. Oui, et puis de toute façon, Kerry, il a 60 ans. Bush, il a 58 ans. C'est des gens qui ont fait les années 60, c'est les années 70. Ils ont fumé de la marijuana. Ils n'ont pas toujours été fidèles. Ils ont fait des tas de choses. On peut même pas... Bush n'a pas été fidèle à Barbara. En tout cas, d'abord, c'est pas Barbara. Barbara, c'est sa maman. Ça, c'est vraiment... Il a toujours beaucoup aimé sa maman. Il est très proche de ça. J'ai oublié son prénom déjà, Mme Bush. Laura. Alors, c'est vrai que Laura Bush est la femme de George Bush actuel. Barbara, c'était la femme du papa. Donc,
du Bush voilà, précédent. La grand-mère idéale de l'Amérique, paraît-il. Pourquoi paraît-il? Parce qu'elle est absolument féroce. Ah oui, elle est terrifiante, c'est elle le chef de la maison. Ah oui, ah ouais, ouais. Et le fait que Kerry ait les mêmes initiales que John Fitzgerald Kennedy, le fameux JFK, ça peut influencer les Américains. Et ben moi, je vous dirais que Kerry a beaucoup de choses de Kennedy en moins beau. Ah oui. Alors les initiales, c'est peut-être ce qu'il a de plus. Ça peut les influencer. Moi, j'ai toujours pensé que Jacques Chirac avait été élu parce qu'il a les initiales de Jésus-Christ. Mais vous dites ça, mon cher Gérard, parce que vous faites plutôt partie de la bande FM. François Mitterrand. Parlons de l'armée, alors. Est-ce que Bush était vraiment un planqué? Est-ce que vous aimez bien que vous n'en savez pas plus que... Mais si, j'en sais. Comment ça, j'en saurais pas plus? Planqué feignant, disent même certains. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pendant cette guerre du Vietnam? Il était dans la garde nationale du Texas, et c'était pas dangereux, mais bon, il était quand même pilote de chasse, ce qui n'est pas simple, c'est un vrai pilote de chasse, et il surveillait quand même le ciel du Texas, des fois que de l'Oklahoma, ou de l'Alabama. Des fois que les Vietnamiens arrivent directement au Texas. Est-ce que finalement ils ont un programme très différent, et l'un et l'autre, ouais. Bush et Kerry? Ah oui, mais un démocrate et un républicain, ça n'a rien à voir. Hein. Je veux dire, en gros, pour faire simple, les républicains sont des gens qui considèrent que l'État est plutôt nuisible et qu'il faut qu'il soit le moins présent possible, en matière sociale surtout, en matière de retraite, de santé, d'éducation, etc. Moins d'État, plus d'initiatives privées, moins d'impôts, etc., que les gens soient stimulés parce qu'ils ont un peu les choses en main. Bon, les démocrates sont un peu à l'opposé, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il faut davantage de soutien public pour un tas de programmes sociaux, pour les gosses, pour les personnes âgées, etc. Donc, c'est quand même très différent. Sur le plan des mœurs, moi je considère que Bush se trompe en pensant que tous les gens qui votent républicains sont franchement des ultra-conservateurs qui s'intéressent à l'adultère, ou, etc. Je pense que là, ils risquent de prendre quelques coups. Et puis sur le plan international, disons quand même que les démocrates actuels, parce que ça n'a pas toujours été le cas, sont plus multilatéralistes. Les Bush qui l'est pas beaucoup. Dernière question, puisque vous êtes aussi une spécialiste des relations franco-américaines. Alors, qu'est-ce qu'il souhaite Chirac? Que ce soit Bush ou Kerry qui soit élu? Il ne me l'a pas dit récemment. Mais à votre avis? Je pense que pour Kerry, il aurait quand même un interlocuteur plus facile, plus qui parle français, on pourrait mettre tout ça en avant. Ah oui, parce qu'il a un cousin français, on ne l'a pas dit, mais c'est Brice Lalonde, son cousin. Je ne sais pas si ça va lui nuire aux États-Unis. C'est-à-dire que la mère de Brice Lalonde et la mère de John Kerry sont sœurs. Ouais, c'est bien ça. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que tout ça est très clair grâce à vous. On va vous remercier. Vous êtes consultante pour les États-Unis auprès d'Europe 1, politologue Nicole Bacharan. Merci beaucoup. Au revoir. Attention, vous ne le savez peut-être pas, j'espère que si, mais désormais, quand vous irez chercher de l'argent au distributeur de billets, vérifiez bien que la machine que vous avez choisie est bien une succursale de votre propre banque. Sinon, il vous en coûtera 1 euro. Exemple, vous êtes à la société Caporal, on va dire, et vous tirez plus de 5 fois dans un distributeur du Crédit Marseillais. Eh bien, vous paierez ce supplément de 1 euro à chaque retrait. C'est la toute nouvelle et excellente idée des banques françaises qui doivent sûrement manquer d'argent en ce moment pour prendre de telles décision. Bientôt, vous pourrez aussi, pourquoi pas, leur verser des dons, hein, si vous le souhaitez. Oui. Pour parler ensemble de ce sujet, on va accueillir tout de suite le porte-parole de l'Association française des usagers bancaires. Voici monsieur Serge Maître. Bonsoir monsieur, bienvenue. Alors, est-ce que ça se sait suffisamment, ça? Je sais pas, moi, admettons, je suis, comme je l'ai dit, au Crédit Campagnard. Crédit Ardenné. J'ai une carte bancaire du Crédit Campagnard. Et puis, alors, je décide, d'abord parce qu'il n'y a pas de distributeur de Crédit Campagnard à côté de chez moi, je vois un distributeur Crédit Bourguignon. Je mets ma carte pour enlever de l'argent, et bien là, je paye 1 euro de plus. Eh oui, et ça, c'est tout à fait inadmissible. Pourquoi? Mais est-ce que les gens le savent? D'abord, il faudrait le savoir, et surtout, même quand on le sait, quand on se retrouve en Corse et qu'on est dans une banque qui est régionale, en Corse, il n'y aura pas de correspondant de la banque régionale. Donc on est coincé. On va devoir être racketté de ce 1 euro. Est-ce que c'est le cas dans toutes les banques? Dans la plupart des banques, il n'y a plus qu'un établissement véritablement qui se distingue. Ce n'est pas une banque, c'est la Poste. Un établissement financier qui jongle un peu. Mais alors, excusez-moi, si je veux retirer 1 euro et que ça me coûte 1 euro, je retire, je paye et je reçois rien. Tout à fait. Ça donne pas 1 euro, les distributeurs. Non, non, non.
Alors pourquoi ça ne se fait pas autant que ça? Parce que ça se fait petit à petit que les banques sont discrètes là-dessus? Alors on est vraiment les premiers à se dire, quand des épargnants perdent de l'argent en bourse, ils sont là à se plaindre. Quand il s'agit de ce petit racket des petites sommes qu'on constate depuis 2-3 ans, eh bien vous n'êtes pas, vous les consommateurs, à vous plaindre. Nous on vous dit, il faut vous organiser, constituer des groupes de pression à ce sujet. Donc rejoindre vos associations de consommateurs, on en est une, mais il y en a d'autres, hein, concrètement, disons-le. Et là, non seulement il faut le savoir, mais il faut savoir que faire face à ça. Eh bien c'est très simple. Tout seul, vous pouvez déjà, il y a des gens qui l'ont fait, faire condamner votre banque. Alors c'est vrai, c'est 10 euros, 20 euros, on se dit on va au tribunal, je gagne, et qu'est-ce que ça donne? C'est vrai, c'est pour ça qu'il faut vous organiser en groupe de pression, c'est-à-dire faire des actions collectives. Alors, il y a un mot, je le dis là tout de suite, profitez-en, adressez-vous à vos associations, et puis là, eh bien, si vous êtes tout seul, vous n'aurez aucune puissance, si vous organisez, vous allez être véritablement un contre-pouvoir. Deux petits détails importants, et je donne la parole à mes camarades. Premier détail important, c'est que les banques disent « Ah mais si, on a prévenu nos clients oui. ». Alors il paraît qu'en fait c'est glissé dans tout petit entre deux publicités exactement. Que la banque vous envoie, alors, c'est ça? Soyons concrets, les banquiers qui vous préviennent, c'est pas suffisant. Déjà, parce que quand ils changent votre contrat en cours de jeu, hein, vous êtes client depuis 10 ans, depuis 2 ans, il n'y avait pas de frais dans ce cas-là. Quand ils changent la tarification, il faut qu'ils vous fassent signer une nouvelle convention. Et ils ne l'ont pas faite, ils sont condamnés régulièrement par les tribunaux. Alors, autre détail, et là je ne devrais pas le dire, mais nous, nous sommes évidemment les plus privilégiés, on ne devrait même pas vous donner la parole. Ceux qui, comme nous, disons-le, avons une carte premier, une carte privilège, une carte gold, eux ne payent pas les 1 euro de retrait quand ils enlèvent leur argent. C'est-à-dire que ceux à qui on facture les 1 euro quand ils retirent l'argent, c'est ceux qui ont le moins d'argent en banque. Tout à fait. Et même, je dirais, pour vous, les uns et les autres, on vous facture au bout du 4e ou 5e retrait. Ça, c'est des cartes à débit différé. Mais quand vous avez une carte à débit immédiat, comme la population qui n'est pas très riche, hein, ben, dans ce cas-là, c'est la première opération où on vous compte généralement 1 euro dès le mais début. C'est de la mais folie, j'aimerais je savoir ça. Pourquoi... J'ai l'impression d'être Julia Courbet ce soir. Mais vous ne vous courbez pas devant les banques. Non. Laurent, mais vous parlez des riches, parlons des très riches. Où eux payent tout de même, par exemple, ceux qui vont chercher leur argent en Suisse doivent payer tout de même le billet d'avion aller-retour pour ramener la mallette. Gérard, vous le saviez? Je le savais. Je donne une précision pour les téléspectateurs, c'est que la production a essayé d'avoir sur ce plateau le représentant d'un quelconque établissement bancaire. Apparemment, aucun n'a voulu venir sur ce plateau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est d'autant plus scandaleux, c'est que grosso modo, tout le monde est obligé d'avoir un compte bancaire, puisqu'on nous oblige, par exemple, à recevoir nos salaires par virement sur le compte bancaire. Donc, c'est un service qui devrait être considéré comme un service public pour toute une partie. Et le troisièmement, c'est que moi, si je vais emprunter de l'argent pour acheter quelque chose, évidemment, on me fait payer cet argent que j'emprunte. Et les banques encaissent des milliards d'euros et ne payent jamais un centime, à part quelques exceptions, à ceux qui, effectivement, soi-disant, leur coûtent cher. Donc vous avez tout à fait raison, il faut s'organiser et il faut rejoindre les associations de consommateurs. Perry Cochard, encore sûrement une grosse connerie à dire parce qu'elle est morte de rire d'avance. Je trouve ça honteux, je suis d'accord avec vous. Mais non, c'est vrai, mais j'ai quand même envie, tout d'un coup, de prendre le contre-pied pour dire ce sont quand même des établissements qui sont là pour gagner leur vie. Mais oui, ce sont des établissements privés, ce ne sont pas des établissements gouvernementaux, pour gagner etc. leur vie, la formule ils la gagnent mal à mort, ils la gagnent partout. Dès que tu leur dis bonjour, tu leur serres la main, paf, ils encaissent, ils te débitent et ceci et cela. C'est le jeu. Donc, à la limite, je suis d'accord, il faut se mobiliser, je suis d'accord, il faut faire quelque chose pour que ça s'arrête parce que c'est honteux. Mais en même temps, si moi je suis à la banque X, ben, j'ai qu'à aller... Excusez-moi. Là, tout à fait. Banque Y, j'ai qu'à changer de banque. Il y a des banques qui le font pas, il faut le dire. On va faire concret. On est d'accord. Les banquiers, ce ne sont pas des Samaritains. Hein, donc concrètement, ce sont des entreprises commerciales. Nous, nous ne contestons pas. Ce que nous contestons, c'est qu'ils appliquent un véritable racket. Ils mettent 80 centimes, 1 euro, 1 euro 20. À la limite, ils mettraient 2 euros. C'est là où nous disons. Allez, on peut dire, est-ce qu'il existe des banques qui, effectivement, ne pratiquent pas ce petit euro en plus? Ah bah, il y a les banques, toutes les banques, disons, par courtage, par Internet, sont des banques qui ne pratiquent pas le 1 euro. Alors, ce que je voulais dire, quand même, pour être rectifié, on n'est pas contre de payer. Là où on est contre, c'est qu'ils appliquent le tarif qu'ils veulent. Premièrement, pourquoi ils ne sont pas là? Parce qu'ils ont deux arguments qu'ils développent. Ils vous disent, ah oui, mais ça me coûte 80 centimes, vous comprenez, monsieur, dame, il faut bien que je me rattrape quand même un peu. On le comprend. Sauf qu'il oublie de dire que lorsque c'est un client d'une autre banque qui vient chez lui, ça lui rapporte 80 centimes. Et bien que sûr. Le coût réel, ce n'est pas le coût de 80 centimes, il est, d'après la FUB, entre 5 et 9 centimes. Donc, quand ils vous rackettent de 1 euro, c'est du racket parce que ça n'a aucune relation économique. Ça s'appelle pas du racket, monsieur, ça s'appelle juste une marge. Non, une marge à 200%. Bah, peu importe, c'est une marge. C'est une marge. Mais c'est du racket dès lors que vous n'avez pas consenti, madame. Ah, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Vous voyez, donc, tempérant un peu.
Donc changer de banque. Non, mais ça, oui. c'est un peu facile parce que quand vous allez vous changer de rue, vous vous rendez compte qu'ils ont à peu près tous la même politique. Il y a une entente. Il y a un concours, un concert, on va dire. Il y a une plainte, on a porté plainte devant la Commission européenne là-dessus. Parce qu'en un an, ils ont tous décidé de taxer. On peut citer les banques parce que là, c'est pas de la publicité, c'est de l'information. Non. On va dire que c'est la BNP, la première qui a fait ça. Il y a cinq ans. Il y a cinq ans, ça a été la BNP, la première. Ensuite, la BNP, il y a eu la Société Générale. Il y a un an et demi. Et maintenant, vous dites que les banques populaires prennent 1 euro aussi par retrait dès le troisième retrait, c'est ça ? Oui, ça dépend des états des banques. Voilà. Les crédits mutuels aussi, dès le cinquième retrait à peu près. Voilà. Et puis, ça se développe aussi dans les crédits agricoles. Tout à fait. Et les caisses d'épargne aussi. Et disons, le gros problème, c'est que vous avez parlé Laurent. Du crédit agricole, c'est qu'il y a des caisses régionales du crédit agricole qui empêchent leurs clients d'aller retirer de l'argent au guichet. Là, c'était gratuit avant. On allait au guichet retirer avec son chéquier. Ce n'est plus possible. Nous avons des régions où nous l'avons dénoncé, notamment dans l'Ouest. Maintenant, pour aller et retirer de l'argent, il faut avoir une carte bancaire. Et donc, c'est bien la vente forcée, un peu de la carte. Luc. Mais non, alors quand on voit ce que ça coûte de retirer de l'argent à un distributeur automatique, et on s'étonne alors que des loubards attaquent des petites vieilles dans la rue. Parce qu'il y a tout de même des avantages. Il n'y a pas de code à taper. elle ne vous prend pas un euro pour vous donner l'argent. Et en plus, elle ne risque pas d'avaler votre carte si vous êtes en rouge. Quelle horreur! Non, ce qui est regrettable, c'est que c'est la loi de la jungle et que de l'autre côté, on a le droit de la République. Alors, c'est des gros mots, bien sûr, loi de la jungle. Bah, c'est ce dont je parlais, vous n'avez pas consenti, on vous applique n'importe quel tarif sous forme de, disons, on vous dit ça coûte 80 centimes, c'est pas vrai. On se rend compte que ça coûte pas ça aux banquiers. Donc, tout ça, ce qu'il y a ne va pas, c'est que c'est la loi de la jungle. Comme le loubard qui attaque la petite dame, c'est vrai qu'ils sont à peu près du même niveau. C'est fort regrettable parce que les institutions bancaires, c'est quand même la confiance à l'origine. Voilà, et puis il y en a un qui est poursuivi par les flics et l'autre qui est protégé par les flics. Vous êtes président, non pas président. Non. Vous êtes porte-parole de l'AFUB, l'Association bancaire des usagers. Je crois qu'on a été très clair. Ben, j'espère que maintenant tout le monde fera très attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour beaucoup, l'infidélité dans un couple, c'est un travers typiquement masculin. Ce n'est pourtant pas le cas. Les femmes aussi sont parfois infidèles. Et c'est ce que montre la journaliste, philosophe, sociologue Patricia Delahaye dans son ouvrage, sorti le 9 février dernier chez Le Duc Éditions. Fidèle, pas fidèle. À travers des témoignages de femmes, l'auteur analyse les raisons et les motivations qui poussent les femmes à être infidèle. Un livre à consulter donc par tous les messieurs qui se sentent poussés comme deux petites bosses en haut de leur crâne. Nous allons tester ensemble fidèle, pas fidèle. Accueillons son auteur, Madame Patricia Delahaye. Bonjour, bienvenue. D'abord, première question, j'ai envie de vous demander, êtes-vous mariée ? Oui. Comment votre époux a pris ce livre ? Écoutez, très bien, c'est un homme adorable qui l'a trouvé intéressant, mais qui depuis quand même se rase tous les dimanches. Et deuxième question, est-ce que vous êtes fidèle ? Une question. Bah, écoutez, oui, bien sûr, j'ai rencontré le prince charmant. Oh. Alors ça, quand on lit votre livre, ça c'est la catégorie des femmes focus. Mais parce que quand même, moi je me mets à la place de votre époux, il lit ça, il dit tiens, pourquoi ma femme pense à ce sujet-là et comment elle en sait autant ? Alors comment on les trouve les femmes infidèles ? Parce qu'elle l'avoue aussi facilement que ça à quelqu'un qu'elle soit infidèle ? J'ai été assez surprise parce que j'ai interviewé personne de mon entourage, n'est-ce pas ? J'avais pas envie de connaître la vie privée de mes amis. Donc partout où j'allais, comme je suis journaliste, je rencontre pas mal de gens, donc je disais un peu innocemment, je fais une enquête sur la fidélité féminine. Et en général, on me rattrapait et on me racontait son histoire. Ah oui. Mais je ne sais pas si vous avez vu récemment à la télévision, il y a le journaliste grec Nikos Aliagas qui avait fait un sondage en direct à la télévision. Il avait dit, si vous êtes fidèle, tapez 1. Si vous êtes infidèle, tapez-vous qui vous voulez. Alors, en fait, pourquoi ce livre ? Parce que vous dites, l'infidélité, le fait de tromper... Dans l'imaginaire des gens, c'est plutôt le côté masculin, les hommes. Hein. Mais parler de l'infidélité féminine, c'est plus tabou. Ah bah bien sûr, vous savez bien que les hommes ont de gros besoins, alors donc on leur pardonne assez facilement. Et puis quand il s'agit d'une femme, on s'étonne, on se demande pourquoi, ce qui lui arrive, qui est son mari, qui est son amant. Mais est-ce qu'on a des chiffres ? Est-ce que les femmes trompent autant que les hommes ? Écoutez, les chiffres sont fous, c'est-à-dire qu'on obtient 15% d'infidélité féminine dans certains sondages, et puis 70% après 5 ans de mariage. Ah oui. Voilà, choisissez. Oh là enfin, là, il y a toujours 2% de plus d'infidélité masculine. Faut que je passe un coup de fil, excusez-moi.
Oui, c'est après la quarantaine, hein, généralement, que la femme se lâche. Ah, bah ça va. Il y a des périodes délicates. Il y a des périodes de l'après-bébé où tout le monde encense la mère de famille qui est devenue cette femme et qui, évidemment, si elle rencontre un homme irrésistible, qui la trouve à nouveau belle, sexy et qui oublie qu'elle est maman, ça peut être un passage ou sinon, effectivement, ouais. La quarantaine, oui. Annie Lemoine, comment vous avez trouvé ça? Très intéressant. Il y a l'éloge de la femme qui a 40 ans qui est formidable. Ça, je veux dire, la femme de 40 ans, très sollicitée par les jeunes hommes qui les savent douces, aimantes et indulgentes. Vous avez raison, madame. Absolument. Vous avez envie de le rappeler, ça. Ouais. C'est vrai, Annie, vous vous souvenez encore bien de cette période? C'était le chapitre d'après, non? Non, elle parle de la quarantaine. Moi, je suis pour la sincérité et pour l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un désir, eh ben, voilà, il faut y aller. Et c'est courageux d'assumer ce désir pour un autre homme, par exemple, enfin, pour un autre partenaire, parce que ça peut quand même déstabiliser ce que vous dites, le couple. Voilà. En revanche, il ne faut pas le dire. Ça, alors, si on tire une conclusion du bouquin, c'est que... Si on trompe quelqu'un, vaut mieux pas lui dire, quoi. Alors, il y a les partisans de mettre tout à plat. Chérie, je t'ai trompé. En général, ça provoque vraiment des catastrophes, y compris de la part de gens qui se croyaient très ouverts. Donc, on revient au précepte de nos grands-mères. La tête sur le billot, n'avoue jamais. Je crois qu'en effet, c'est une affaire privée. Enfin, c'est mieux quand ça... D'ailleurs, beaucoup d'hommes disent je ne veux rien savoir. Ouais. Non, mais attendez, mais c'est quoi ce discours? On fait quoi ici? On est en train de prôner l'infidélité, la tromperie, tout absolument ça? Absolument pas. Je trouve pas du tout. Ah, bah si, quand elle dit tromper, mais ne dites pas. Non, mais c'est. J'ai jamais dit ça. Mais... Vous n'avez pas aimé le livre? Non, moi, ça m'exaspère. Ce genre de livre m'exaspère. C'est pas le contenu, c'est le principe même du livre qui m'énerve. Mais... Non, mais c'est vrai. Je crois qu'elle vous fait la gueule parce que vous l'avez pas interrogé, en fait. Non, c'est pas ça, mais. Pardon, Péry, mais j'arrive pas à comprendre ce qui vous plaît pas dans le bouquin, en fait. C'est un thème que je trouve tellement facile et racoleur. On nous sert ça dans les magazines féminins depuis des années. Ah, vous êtes tentée de tromper votre mari, allez-y. Ou n'y allez pas, selon les modes. Un jour, c'est comme ci. Oui, mais un jour, je ne dis absolument pas ça. Non, mais c'est pas je ne donne aucun conseil. C'est pas un mode d'emploi, c'est pas un mode d'emploi pour aller tromper ta femme. Ce sont des témoignages. Eh bien oui, mais on n'en a rien à foutre, chacun. Mais pas du tout, ça permet de se situer. Il y a des femmes qui hésitent, qui se demandent. Ça permettra d'aider. Où est-ce que ça mène, cette histoire-là? Où est-ce que ça mène? Comment vous pouvez savoir, moi, si j'ai trompé mon mari, comment vous pouvez savoir où ça va vous mener, vous, si vous... Si mais vous mais en lisant ce livre, on se définit Péry, le petit centre du monde. C'est que certaines femmes, ça peut les aider. Il y a certaines femmes, ça fait 10 ans que leur mec les a pas touchées. Oui, et tout à coup, elles voient dans le regard d'un homme que finalement, elles sont vraiment pas mal. Et bien, ce genre de bouquin va les aider à se dire... Mais arrêtez, vous prenez les femmes pour des idiotes. Mais arrêtons. Mais non, Péry, pardon de vous dire ça, mais vous vivez dans un milieu où, effectivement, c'est peut-être plus habituel, plus facile de tromper quelqu'un. Ah bon? Mais bien sûr. Mais faux, archi faux. Va en province et tu vas voir. En province, tout le monde se trompe. Il n'y a pas de... Mais c'est pas... Je prends. Vous n'êtes pas réaliste, je vous jure. C'est beaucoup plus difficile en province où tout le monde se connaît, où tout le monde se voit, dans le même immeuble, dans la même ville, dans le même village qu'à Paris, où vous avez tous les hôtels que vous voudrez. C'est bien plus difficile. Non, moi, je veux prendre la défense de Péry. Quoi que tu aies fait, tu restes notre ami. Il n'y a aucune raison que tu meufs comme ça. Vraiment. Moi, quel que soit ce que je fais, je raconte à mon mari. Non, mais après, c'est une question de rapport qu'on a avec l'autre. Je sais pas comment vous expliquer. Moi, un jour, j'ai rencontré une psychologue qui m'a dit 80% des femmes qui viennent me voir dans mon cabinet, c'est uniquement pour avoir un aval. Elles veulent tromper, mais elles ont besoin d'un aval. Un aval, oui, bien sûr. Pas tout. Certains le reprochent quand même. Non. Valérie, vous avez aimé ce bouquin. Mais c'est-à-dire que... Moi, je me sens pas concernée, je suis quelqu'un d'extrêmement fidèle. Quand je suis pas fidèle, je me casse. Donc, il y en a pas de... Des comme moi, dans le livre, il y en a d'autres sûrement, rien. Mais dans le livre, il n'y a pas cet exemple. Il y a des femmes fidèles. Mais voilà, mais je ne vois pas pourquoi je serais agressive envers Patricia Delahaye parce qu'elle a fait un bouquin sur ce sujet, parce que c'est un sujet, en effet, intéressant et qui peut aider des femmes qui se sentent seules. Parce que contrairement à nous, il y a des femmes qui sont... toute seule. L'émotion qu'il y a sur le plateau montre que c'est un excellent sujet. Voilà. Moi, je me suis senti tout à fait concernée parce que ce livre, tout autant que sur l'infidélité, est sur le désir féminin. Et je vous félicite parce que, justement, dans les journaux féminins, on n'a pas des entretiens aussi poussés. Mmh. Vous êtes philosophe, vous êtes sociologue, vous avez une certaine façon d'interroger les gens avec discrétion, avec respect, et ça nous donne toute une série de témoignages passionnants sur la vie affective de des nos femmes. Concitoyennes. Oui. C'est passionnant. Exactement. Le seul truc qui manque, c'est le numéro de téléphone de ces femmes. Ça, alors ça, j'en ai du témoignage. Philippe,
Philippe. Je me dis que sans faire ni l'apologie ni la condamnation de la fidélité absolument ou de l'infidélité, pas, vous dites autre. Simplement que quand les personnes se trouvent dans un moment de bonheur, d'amour et d'état amoureux, en général, ils n'ont pas besoin d'aller voir ailleurs et que... Sans doute, enfin, à travers divers voyages, c'est ce qui ressort, et que c'est en général le signe d'un manque, d'un désintéressement de l'un ou de l'autre qui fait que, voilà. Et puis ça peut être une crise personnelle aussi, bien c'est sûr, pas forcément une crise sûr. Conjugale. Arnaud Gidoin, qui a l'air inquiet. Moi, j'ai été bouleversé par ce livre. Je pense justement à mon couple, aux relations que j'ai avec ma femme, et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, parce que, en fait, je pense que quelque part, ou elle ou moi, mais on pourra peut-être pas, un jour, s'empêcher peut-être d'aller voir ailleurs. Et ça, c'est très bien écrit dans ce livre, mais on ne sait pas ce qui peut nous arriver. On n'est pas à l'abri d'un coup de foudre, Péry. On n'est pas à l'abri d'une rencontre. Et moi, ça se passe très bien, mais on en parle, tu vois, avec ma femme. Ouais, mais il y a un chapitre qui s'appelle « Quand l'amant dope le couple ». Oui, mais voilà. Oui, mais alors ça, ça me... Alors ça, c'est une belle théorie. Ne dis pas ça, Arnaud. J'en parlais encore hier soir avec ton épouse. Elle t'aime beaucoup. Elle t'aime beaucoup. Philippe, il est temps de faire un test. C'est ça qui... Écoutez-moi, parce que c'est des paroles, c'est des témoignages, c'est des écrits. Moi, je voudrais du concret. Vous connaissez tous évidemment le détecteur de mensonges, oui. Hein, qui est utilisé dans certaines enquêtes policières, et j'ai pu m'en procurer un appareil par un ami. Le truc à 4 euros. Par un ami policier. J'avais eu dans Pif Gadget il y a 10 ans. Alors, je vous explique comment ça va. Donc, je suis évidemment quelqu'un de très sensible. Oh, donc, bracelet. Je me mets le bracelet ici. Attends. Et je vais prendre la personne qui est la plus proche de moi, c'est-à-dire Annie. Qui va bien. Fallait que ça tombe sur vous, Annie. Qui va me donner ses poignets. Ses poignets, on doit juste pour que le contact se fasse. Je lui place les électrodes à gauche et à droite. Voilà. Donc faut elle pas va. Vous tromper sur toi. Non, non. Le rouge à gauche, excusez-moi. Je vous en prie. Hop. Bien. Alors, donc, je vais soumettre Annie à un questionnaire. Et puis, l'appareil va répondre par un signe que vous connaissez bien. Donc, on va tester tout de suite. Annie, quand c'est vertical, c'est vrai. Quand c'est horizontal, c'est un mensonge. Quand c'est un mensonge, ça gribouille. Redites-moi, par exemple, 2 plus 2 égale 7. 2 plus 2 égale 7. Vous voyez, l'appareil réagit. 2 plus 2, ça fait 4. Et voilà, et là, il revient. Non, d'accord, on a bien compris. Sauf que si elle ne sait pas que ça, c'est 4, elle ne ment pas. C'est C'est drôle, ça. Mais non, tu te prends pour une conne, toi. C'est un très bon exemple, mais ne mettez pas votre expérience personnelle dans cette histoire. Moi, j'adorerais. Alors, la question, Annie, quel âge avez-vous? Waouh. Non, je ouais, bah non. Bon, allez, 46. Avez-vous déjà trompé votre partenaire? Oui. Ah. Alors écoutez, nous passons à la page suivante. Aimeriez-vous avoir une aventure avec Laurent Ruquier? On voit qu'elle s'énerve. Allez-y. Non, moi j'ai toujours eu une théorie, pas d'amour dans le travail. Non, vous voyez ça. Avez-vous déjà eu une aventure avec quelqu'un ici présent? Non, non, personne. Bon, alors, on sait, je passe à la dernière page, dernière question, on sait que vous appréciez le rugbyman Fabien Galthié. C'est exact. Qu'est-ce qui vous plaît le plus en lui? Ses qualités sportives. Oh non. Alors, ça marche très bien. C'est parfait. C'est parfait. Alors, je vous remercie, je crois qu'on ne peut pas en dire plus. Fidèle, pas fidèle, c'est chez Le Duc Édition, c'est signé Patricia Delahaye. Merci beaucoup. Merci. Le son de l'ange, c'est le nom du premier album d'Emma Domas, sorti au mois de décembre dernier. Emma Domas, ou Emma tout court, pour ceux qui évidemment se souviennent de la candidate blonde de la Starac 2 qui s'était faite coiffer sur le poteau par Nolwenn. Ce disque, dont elle a composé une partie des titres, est plutôt pop-rock. Autrement dit, ça bouge beaucoup plus que Mireille Mathieu et Nolwenn réunis. Dès demain, vous pourrez trouver son deuxième single, extrait du disque. La chanson s'appelle « Tu seras ». Il n'y a donc pas de perdants à la Starac, que des vainqueurs, puisque voici Emma Domas. Bonsoir, bienvenue, je vous embrasse. Oui, merci.
Bonsoir. Alors, je me souviens du premier single qui était sorti, qui n'était pas un single qu'on retrouve sur l'album, qui était un single sorti tout de suite après la Starac. On le retrouve, mais complètement changé, voilà. Complètement différent. Très différent, ouais. Parce que là, d'un seul coup, il y a une couleur sur cet album, très différente de ce qu'on connaissait de vous. Alors, est-ce que ça vous ressemble plus en vrai, ou est-ce que c'était l'Emma qu'on connaissait dans le château, le fameux château dans Marie-les-Bains, qui était la vraie Emma ? Marie-les-Lys. Les Lys, pas les Bains, pardon. Oui. Non, mais je suis restée avec la piscine du loft, je confonds tout. Non, clairement, je fais ce que je veux depuis maintenant 8 mois. Et ça fait 8 mois que je travaille sur cet album. Je fais entièrement ce que je veux, donc c'est clair que c'est moi, intégralement cet album-là. D'autant qu'il y a 6 ou 7 chansons dont vous avez même composé les musiques. Et écrit les textes, oui. Et écrit les textes. Mmh. Bon, alors, on regarde tout de suite un extrait du clip de Tu seras. C'est le deuxième single extrait de cet album. Chaque jour de plus, c'est un jour de... Bien inscrit dans ton cœur d'oiseau, ne pas quitter le nid. Mais je vois dans tes pas de danse naître la confiance en moi. Tu seras mon arme et la bannière de ma foi. Écoutez, je donne mon avis personnel, après je vais donner la parole à mes camarades. Moi, je trouve ça plutôt réussi hein, comme album. Merci. Alors, évidemment, on a dû vous le dire déjà, peut-être ça va pas vous faire plaisir, mais dans ma bouche, c'est un compliment. C'est vrai qu'il y a un petit côté Avril Lavigne à la française, quoi. Un petit côté, mais j'ai pas du tout voulu faire du copier-coller. J'ai aucune chanson, je pense, qui ressemble à une chanson d'Avril. Puis c'est ce que vous aimez faire, en tout cas. Voilà, bon, parfaitement. C'est ce qui compte. Gérard Miller, vous avez écouté ? Alors moi, je ne vous connaissais pas, Emma. Je le dis franchement, je ne regarde jamais. Tu vis où ? Je n'ai jamais regardé la Star Academy, je peux vous le dire. Je la déteste. Et donc, j'ai mis votre disque objectivement. Eh bien, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal du tout. C'est même peut-être une des rares fois où quelqu'un sorti de la Star Academy me semble un petit peu moins fade que les autres. Il y a eu certainement d'autres. Un petit peu moins fade, mais pas un petit peu mieux. Il ne faut pas exagérer non plus. Je suis tombé sur la chanson Racaille, qui est très originale, c'est très amusante. C'est Maxime. Voilà. Mais qui est très drôle, où elle explique qu'elle aime bien la racaille, que c'est la racaille qu'il aime. Et c'est je un peu ça... provoque, cette chanson, quand même. Ouais, moi, ça m'a plu. Ça m'a plu parce que ce que je crains souvent chez les chanteurs et chanteuses de ces émissions, c'est qu'ils soient trop lisses, trop politiquement corrects. Moi, je vous félicite. Vraiment, je vous ai découverte là, j'avais et je trouve ça plutôt réussi. J'avais pas du tout envie de faire du politiquement correct. Dans cet album-là, il y a une chanson qui s'appelle Figurine humaine, où justement, je dénonce les dangers de la télé-réalité. Donc, j'avais pas du tout envie de faire du politiquement correct. C'est pas mal, vraiment. Est-ce que vous pensez pas que finalement, il vaut mieux pas gagner la Star? Ah, mais complètement. Et d'ailleurs, la dernière fois que je suis venue dans cette émission, Gérard Miller ne me croyait pas quand je disais que j'étais contente de ne pas avoir gagné. Si, je vous jure. Je me rappelais même pas vous avoir déjà rencontré. Elle s'en souvient. Voilà. Il a dû lui dire, je ne vous connaissais pas. Voilà. Voilà. Madame, qui n'était pas Gérard un peu comme ça, ce matin, il m'a dit bonjour, je m'appelle Gérard Miller, qui êtes-vous ? Non, non, mais je vous assure, Emma. Vous savez, le parcours des mômes qui ont fait la Star Academy me fait penser à une chose qu'on dit dans le métier, que vous connaissez peut-être, on dit quand tu grimpes les marches de la notoriété, du talent, du succès, tu vas croiser des gens. Alors sois plutôt sympa avec eux parce que le jour où tu redescendras, tu risques de recroiser les mêmes. Mais dans votre cas, j'ai l'impression que vous n'avez pas pris l'escalier, mais vous avez pris l'ascenseur. Oui. Et vous avez croisé personne et vous vous retrouvez là au sommet avec une notoriété énorme. Parce que les singles se vendent bien, l'album marche. Hein. Oui, enfin il marche beaucoup moins que si j'avais gagné, évidemment. Évidemment. Mais c'est vrai que c'est ça qui est très difficile. Les gens nous voient en haut de l'affiche, mais dans les maisons de disques, pour la plupart, on n'est pas traités comme si on était des grandes stars. Nous, au bout d'un moment, on se dit « putain, mais on a quand même été les plus grandes stars de France pendant un an ». Et quand tu arrives dans la maison de disques et qu'on te dit « bah non, on ne signe pas d'album », bah tu fais quoi ? Tu as beau signer des autographes dans la rue dehors, si tu n'as rien derrière, c'est super dur à vivre. Quoi. Donc, il faut faire super attention, c'est pour ça que c'est un peu dangereux. Parfait, c'est une bonne réponse. Arnaud Gidoin ? Alors moi, je regardais pareil, pas trop la Star Academy, mais par contre, j'aime bien la musique, j'aime bien suivre ce qui se fait. Et donc, j'ai écouté Emma et franchement, je trouve ça plutôt réussi. J'ai été la numéro 9, la solo de nuit, c'est une superbe... C'est ma préférée. C'est vrai ? Ouais. On est fait pour 100 ans ?
Philippe Gueluc. Moi aussi, j'ai écouté vos disques et je trouve ça vraiment plutôt bien. Bon, bien sûr, c'est de la musique pour jeunes. Mais bien, je ne le suis plus. Non, je voulais vous poser une question sur un autre domaine. On sait que vous investissez beaucoup pour la défense des animaux et puis la défense des enfants. Et vous faites des apparitions dès qu'il s'agit de défendre une de ces deux causes. Mais que faites-vous lorsqu'il s'agit d'un enfant qui est malade parce qu'il est allergique aux poils d'animaux? C'est n'importe quoi. Ça peut arriver. Et il faut choisir. Vous, pour l'instant, vous avez un petit chien, mais pas encore d'enfant. Hein. Voilà. On voit souvent, on voit le... Souvent, mon petit chien. Il n'est pas là. Si, elle est dans la loge. Elle est dans la loge. Et est-ce que vous avez un fiancé? Bah oui. Oui, toi, depuis une minute, mais sinon... À part Arnaud Gidoin, c'est du domaine de l'ordre privé. Oui, oui, ça. Ah non, mais si elle avait envie de nous en parler, c'est juste comme ça. Pas forcément. Non, elle l'a pas fait, d'ailleurs. C'est toi qui lui poses la question. Un petit test. On va voir si vous avez de la mémoire, si vous vous souvenez de vos petits camarades. On aimerait vous tester tout de suite, si c'est possible. Je vous demande d'écouter des introductions musicales de chansons. Il va falloir reconnaître qui chante, enfin, qui va chanter... Premier extrait. Cassé Nolwenn. Voilà. Gagné, bravo, applaudis. C'est pas très difficile. Ça, c'était pas difficile. Attention, ça va se corser, faut pas croire. Deuxième intro. Jérémy Châtelain, laisse-moi. On vérifie. Moi. Gagné. Attention. Quand vous dites on vérifie, il faut être... Oui, même ça. Si on tente de vérifier. Les jeunes qui nous regardent. Mais bien sûr, Laurent. Et je les salue, d'ailleurs. Troisième introduction musicale. Georges Alain, embrasse. Georges Alain, embrasse, on vérifie. Elle est forte, hein. Vas-y, Mila, alors, ouais. Gagné, elle est très forte. Elle les connaît bien, tous ses petits camarades, hein. Très bien. C'est resté des camarades. Bien sûr. Une dernière. Pour la route. Voilà, pour la route, hein. Allez. Attention, une dernière. Ah, là, ça coince, hein. C'est une comédie musicale. C'est pas Belle, Belle, Belle? Non, c'est pas Belle, Belle, Belle. Je connais pas ça. On vérifie. C'est Loana. Ah. Comme je t'aime. Ah, là, ça c'est pas bien. Alors on écoute ses petits camarades. Excuse-moi. Alors, dès que c'est quelqu'un de la télé-réalité d'en face, on n'écoute pas. Hein. Non, c'est concurrence. Ah là 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 là. Bah, en tout cas, ils vont être contents, vos petits compagnons de la Starac, parce que vous les avez tous reconnus. On peut vous applaudir pour ça. Bravo. Vous restez avec nous. Le temps du jeu final. Je signale qu'il y a une tournée, évidemment, hein, pendant toute l'année. Vous allez chanter sur scène à travers la France avec les nouvelles chansons de cet album. Oui. Tu seras, mais aussi la première, c'était des quoi dire ? Si tu savais. Si tu savais. T'as qu'à finir. On commence par cette première phrase. C'est Giroud qui a dit « J'ai appris que tu déjeunais avec, peux-tu me le passer ?» C'est un joueur qu'on cherche. Non, pas du tout. Un homme politique. Un homme politique. Un homme politique. Jacques Chirac. Pas Jacques Chirac. Raffarin. Pas Raffarin. Sarkozy. Pas Sarkozy. Strauss-Kahn. Non, pas Strauss-Kahn. Jack Lang. Plus connu encore que toi. Oh, plus connu que toi. Jospin. Jospin, bravo. Lionel Jospin. Bravo, Thierry Cochin. Et il faut savoir, alors, il déjeunait avec François Patria à Giroud, et il faut savoir en fait que Jospin et Giroud étaient copains de régiment. Donc, voilà pourquoi Giroud s'est autorisé à appeler en plein repas Bravo Péri. Autre tac à finir, Patrick Besson, chroniqueur critique, qui écrit dans VSD dans Le Point. Et là, il dit, dans Retour à Cold Mountain, Renée Zellweger, une des actrices, est la première fermière américaine du 19e siècle à... Porter des portes-jartelles? Non. Avoir un portable? Non. Mais c'est de ce genre-là, c'est quelque chose d'anachronique, évidemment. Changer esthétique sur les lèvres. Oui, du rouge à lèvres. Non, laissez parler Arnaud. Silicone, les lèvres de silicone. Oui, à s'être fait. Refaire les lèvres. Gonfler les lèvres. Bravo Arnaud Gidoin. La première fermière américaine du 19e.
c'est drôle. À s'être fait gonfler les lèvres, c'est assez drôle, ouais, quand même, faut bien dire. Sarah Marshall, hélas, qui vit une histoire compliquée en ce moment avec son époux et l'enfant qui est allé à Hadas, qui vont récupérer, je crois, ça y est, c'est décidé. C'est elle qui avait écrit Omar m'a tué, non, c'est pas la même histoire. Ah non, c'est une histoire très compliquée, c'est l'histoire de l'arrière-petit-fils de Michel Morgan, ou petit-fils. Ah oui, on a beaucoup de mal à suivre. Tu vois, il récupère le gosse, ça, on l'a appris ce matin. Et elle déclare, jamais on n'a été défoncé. À la maison. C'est bien la preuve qu'on n'est pas toxicomane. Devant les flics. Devant les flics, non. Jamais on n'a été défoncé tous les jours. Pas tous les jours. Toutes les heures. Pas toutes les heures. Toute la soirée. Non, plus que ça. L'après-midi. Pas une journée. 48 heures d'affilée, enfin. Exactement, 48 heures d'affilée, deux jours de suite. Non, elle a pas pu dire ça comme aussi. Non, 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 c'est en VSD, mais elle a jamais pu dire ça. Ou alors elle a été défoncée. Le son de l'ange, c'est le titre de l'album. Le nouveau single s'appelle Tu seras. Vous voyez le clip un peu partout actuellement sur les chaînes musicales. On vous remercie, Emma Domas. Merci à vous. Au revoir, à demain. À demain.